Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, un sourire et tout s'éclaire. Il nous donnera l'espoir et la force de voler vers la lumière. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Quand le ciel flamboie d'un rayon de magie, c'est l'aventure qui commence tout près des étoiles. Moi je m'élance dans l'espace infini. Le temps n'existe plus, mes rêves se dévoilent. Tout là-haut dans le ciel, Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, nous partagerons le meilleur sur les chemins de l'espoir, en laissant toujours parler notre cœur. Wings, la magie des Wings vient d'éclairer la terre. De milliers d'étoiles de lumière, c'est la magie des Wings. Les filles avaient trouvé amusant d'aller faire le ménage à la fontaine rouge chez les spécialistes. Malheureusement, la fête avait été interrompue par un monstre que les Trix avaient fait surgir. Les garçons s'étaient battus pour défendre les Winx, et pour récompenser le courage dont ils avaient fait preuve, Faragonda leur avait rendu leur pouvoir, ce qui avait renforcé l'amitié entre les Winx et les spécialistes. Amitié que les Trix voulaient faire cesser à n'importe quel prix. Bloom. Bloom. Qui m'appelle? Qui est là? C'est moi, Bloom. Te souviens-tu de moi? Reconnais-tu ma voix? C'est vous qui m'avez aidé à sortir du château de la tour nuage, c'est ça? Oui, Bloom. Viens vers moi. Mais... Viens. Je ne vous vois pas. Où êtes-vous? Je suis là. Je t'attendais, Bloom. Approche. Viens. Et rappelle-toi. Oh, me rappeler, mais de quoi dois-je me rappeler? Oh, de quoi faut-il que je me rappelle? Eh bien, par exemple, Bloom, qu'aujourd'hui est un jour de fête. Mais ce n'est pas une raison pour passer la journée au lit. Bonjour, Flora. Tu parlais dans ton sommeil, tu devais te rappeler de quelque chose. Bon, justement, je ne sais pas. J'ai fait un rêve tellement bizarre. Mais toi, où vas-tu? Je rentre chez moi. Aujourd'hui, c'est le jour de la rose. C'est une journée particulière à Magix, nous n'avons pas classe. Le jour de la rose? Mais oui, ça s'appelle comme ça. C'est un jour de vacances et tous les enfants doivent souhaiter bonne fête aux mamans. Vous n'avez rien de pareil sur Terre? Si, mais chez nous, c'est la fête des mères. Et toi, tu rentres chez toi, Blue? Non, je ne crois pas que je vais rentrer. Alors, tu pourras nous tenir compagnie? Il ne reste plus que Griselda. Même les professeurs ont déserté et sont rentrés chez eux. Je vais en faire de même. Professeur Whiskies, vous aussi? Et pourquoi pas? J'ai bien le droit d'avoir une maman. Quel homme! Et toi, Bloom, pourquoi tu restes ici? Je préfère parce que si je rentre à la maison pour seulement une journée, j'aurai encore plus le cafard quand il faudra que je quitte mes parents. Et vous, dites-moi, pourquoi vous êtes restés? Moi, je ne fête plus le jour de la rose. Je ne vous l'avais jamais dit, mais mes parents ont décidé de se séparer, c'est comme ça. Et oui, le roi et la reine de Solaria ne s'entendent plus sur rien, c'est fini entre eux. Voilà, vous savez tout maintenant. Quelle est ton excuse à toi, Musa? Moi, j'essaye de ne pas y penser du tout, parce que je n'ai personne à fêter, voilà pourquoi. Oh. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai perdu ma maman quand j'étais toute petite. Oh, Musa, je suis désolée, j'aurais dû me taire. Non, Stella, ne t'excuse pas. Comment aurais-tu pu le savoir? Cette journée est tout simplement la plus triste de l'année pour moi. Pourtant, la vie continue. C'est vrai que je ne peux pas y faire grand-chose, mais au moins je peux vivre ce jour avec mes souvenirs. Oh. Des larmes dans le café au lait, je suis sûre qu'on peut trouver mieux pour un petit déjeuner. Mais oui, il fait un temps splendide et il se passe plein de choses en ville, des concerts, des balles et...
je rêve, c'est un message de mon prince préféré. Il me dit qu'ils vont tous se retrouver là-bas, lui et ses amis. Et vous savez quoi? Il m'invite à l'accompagner au grand bal de la rose qui a lieu ce soir. Tu veux y aller? Une autre fois, oui, peut-être, mais pas aujourd'hui. Merci quand même. Je comprends. Vous êtes des incapables! J'ai reçu une lettre de protestation de ma très estimée collègue Faragonda. Figurez-vous qu'elle n'a pas du tout apprécié votre incursion dans son école. Elle me conjure de prendre des mesures disciplinaires contre vous trois. Je suis furieuse, mesdemoiselles. Et je ne le suis pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que vous n'avez pas fait. Je devrais vous renvoyer, mais je ne le ferai pas. Je vais vous donner une autre chance. Je sens autour de vous une immense énergie négative. Je suis sûre que vous pourrez devenir de très intéressantes sorcières. Mais vous devrez faire vos preuves. La collaboration entre les fées d'Alphéa et les magiciens de la Fontaine Rouge devient chaque jour de plus en plus étroite. Il y a une très forte amitié entre les deux écoles et ça ne me plaît pas. Cela pourrait bien être le début d'une union qui compromettrait l'équilibre, à moins qu'à vous trois, vous n'arriviez à détruire cette alliance. Quand devrons-nous agir? Tout de suite! Aujourd'hui en ville, a lieu cette insupportable fête de la rose. Nos très chères petites fées vont y participer, ainsi que les garçons de la Fontaine Rouge. Allez-y, vous tous aussi, et faites ce que bon vous semble. Vous êtes libres. Utilisez tous les moyens nécessaires. La seule chose qui compte, c'est qu'à la fin de cette journée, l'amitié entre les fées et les spécialistes soit anéantie. Je ne veux pas qu'il en reste une once. Vous avez compris? Je veux qu'ils se haïssent. Finalement, toutes ces fêtes se ressemblent, je trouve. Et c'est vrai que je vois mes amis tous les jours. Pourtant, j'aurais eu l'occasion de revoir Riven. Je dois dire qu'il est un peu bizarre. J'aimerais le connaître un peu mieux. Ça ne fait rien, ce sera pour une autre fois, j'espère. Il y a un monde fou. Et un peu trop à mon goût. Qu'est-ce qu'ils font dans la rue, tous ces gens? Ce que tu devrais faire aussi, te détendre et t'amuser, c'est la fête de la rose. Hé, hey, regardez là-haut! Oh, regardez, c'est merveilleux! C'est magnifique! Oh, c'est rose qui tombe du ciel! Cette rose, je vous l'offre. Merci. J'aimerais bien aller voir ailleurs. Vous venez? Ils se préparent déjà pour la course. Les pauvres, si seulement ils savaient, ils n'ont pas encore compris que c'est inutile. Ils auront affaire à trois champions. Trois? J'avais l'impression d'être le seul. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans très peu de temps, c'est moi qui franchirai la ligne d'arrivée en tête et que vous saurez tous à me regarder. Riven, Sky et moi, on s'est inscrits nous aussi pour participer à cette course. Mais il n'y aura qu'un seul vainqueur. On verra ça. C'est pas horriblement dangereux, Sky? Non, les motos sont très sûres. Sois tranquille, Yum. La piste est protégée par une barrière magique. N'oublie pas qu'on doit aller au bal ensemble ce soir. Surtout, sois prudent. Mais oui, j'essaierai. Pourtant, j'aimerais bien donner une leçon à ce prétentieux. Je vais devoir appuyer à fond sur l'accélérateur. Tu peux toujours rêver. Je serai là pour t'encourager, Brandon. Et toi, Riven, qui sera là pour t'encourager? Brandon et moi, on a notre public, toi, tu n'as personne.
Je peux avoir qui je veux. Tu veux parier? Quel genre de pari, dis-moi? Mon genre de pari. Si je gagne la course, c'est simple. Je choisirai une de vos chères amies pour m'accompagner. Elle sera mon escorte pour la soirée. C'est stupide. Ah, tu trouves? Eh bien, puisque c'est comme ça, je choisis tout de suite Bloom. C'est une affaire conclue? Quoi? Tu devrais d'abord me demander. Ah oui. Non mais enfin, pour qui tu te prends? C'est moi qui décide avec qui j'ai envie de sortir. Je déteste ton comportement. Même si tu étais le seul garçon qui restait dans l'univers, je ne poserais pas les yeux sur toi. Tu n'es qu'un ridicule et pitoyable garçon. Tu ne m'intéresses pas, tu n'as rien dans le ventre. Va-t'en courir sur ta moto volante. Mais je te préviens, ne t'approche pas de moi, c'est compris? Non mais écoutez-moi ça, tu penses vraiment ce que tu as dit? Moi au contraire, tu vois, je crois que je te plais. Et si tu ne le sais pas encore, tu vas vite t'en rendre compte. Ça suffit, arrête! Tu prends tes rêves pour des réalités. Tu ferais mieux d'avoir un peu plus de respect pour les autres. Je ne voulais pas, je suis désolée. Oh, excuse-moi. Non, va-t'en. Calme-toi. Ne me touche pas, Brandon. Laissez-moi tous tranquilles. Oh. Il a eu ce qu'il a cherché. Hé hey. Les idiots. Je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai besoin de personne. Je m'en fiche complètement de cette fête. Est-ce que vous avez vu ça? Ce garçon a du caractère et des muscles. Il me plaît bien. Dis donc, Darcy, tu serais pas amoureuse? Fais attention à ce que tu dis. Arrêtez de vous disputer, toutes les deux. Nous avons une mission importante à accomplir. Et ce que je viens de voir m'a donné une petite idée. Riven veut toujours être le meilleur. Nous le connaissons. Il est ambitieux, capricieux. Il ne supporte pas de perdre. Et nous avons le pouvoir d'exaucer ses rêves. Parfait. Alors, ça ne devrait pas être trop difficile de le mettre dans notre poche. Nut! Me voici, vos seigneuries, que désirez-vous? Je suis à votre service. Tu vas voir ce qu'on désire. Non, non, vos seigneuries, pas ça, non, je vous en supplie. Trop tard, Nut, c'est chose faite. Ah, je vois. Maintenant, écoutez-moi bien. Wow. Oh. Il est super. Les filles là-bas, regardez un avaleur de feu. Oh. Oh. Regardez, monsieur, dame. Oh, c'est incroyable. Oh, oui. Oh, oh là là. Oh, oh, c'est incroyable. Bloom, Bloom, Bloom. Bloom. Timmy, tu es venu à la fête aussi? Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Les autres se demandent où tu es passée. Tu as disparu soudainement. Je ne sais pas, je les ai perdus en route il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps que je suis là. Allons vers la grande place. Tu verras, on les retrouvera là-bas. Tu as raison, les garçons doivent participer à la course et c'est là que le départ est donné. Ils m'ont raconté la petite dispute avec Steven. Avec qui? Riven, Riven, je trouve ça désolant. Quel dommage. Oh, ça me désole aussi. Mais moi, je connais un moyen de vous réconcilier. Ah oui, lequel? Le voilà. C'est une surprise qu'elles... Enfin, que j'avais l'intention de lui faire. Alors, en signe de réconciliation, tu devrais lui offrir. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Tu ne te sens pas bien, Timmy? Tu n'as pas l'air dans ton assiette? T'inquiète pas. Tout est sous contrôle. C'est un casque très particulier qui permet... qu'il faut porter pour la course. Avec ce casque, on peut contrôler les motos volantes par télépathie. Le rêve de tous les pilotes.
Mais enfin, tu as dû te donner beaucoup de mal pour le faire. C'est toi qui devrais le lui offrir, Timmy. À mes yeux, une amitié compte beaucoup plus. Quand tu lui donneras, tu n'auras qu'à lui dire que tu l'as acheté dans une petite boutique de merveilles technologiques. Tu verras, à mon avis, il sera très content. Je te remercie. Tu es vraiment très généreux. N'oublie pas que personne ne doit être au courant que c'est moi qui te l'ai donné, d'accord? D'accord. Tu lui as donné le casque? Oui, vos seigneuries. Ned, je te préfère sous ton autre forme. Venez, suivez-moi. D'ici, nous allons pouvoir apprécier le spectacle. La course va commencer, je ne veux pas en perdre une miette. Et surtout quand on sait qu'avec son casque, Riven va nous faire rire. Ce pauvre Riven, il va avoir un accident et c'est Bloom qui sera responsable. Un petit accident, n'est-ce pas? Depuis quand te préoccupes-tu de ce qui arrive aux autres? Je ne m'en préoccupe pas. Oh, mais bien sûr que si, j'ai l'impression que ce garçon te plaît. Je le trouve sympathique, voilà tout. Darcy, ma chère sœur, voilà qu'elle devient sentimentale tout à coup. Mesdames et messieurs et toutes les créatures ici présentes, je vous souhaite la bienvenue à la course annuelle de la fête de la Rose. Deux courageux champions sont prêts à se mesurer sur la piste. Et le départ est sur le point d'être donné. Dépêchons-nous, on est en retard. Et nous n'avons toujours pas retrouvé Bloom. Ah, enfin vous voilà. Bloom, ce serait plutôt à nous d'être soulagés. Est-ce qu'on peut savoir où tu étais passé? Et moi qui vous cherchais partout, je voudrais parler à Riven. Riven? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai vraiment pas le temps de t'écouter. Riven, je voulais seulement t'offrir ça. C'est un cadeau pour me faire pardonner. J'espère que tu ne m'en voudras plus pour cette dispute. Vas-y, donne-moi. Eh bien. Alors, tu as autre chose à me dire? Bonne chance pour la course. Brandon, sois prudent. On se voit à l'arrivée. Les concurrents sont sur la ligne de départ. Qu'est-ce que tu lui as donné à Riven? Je t'expliquerai plus tard, c'est un cadeau de Timmy. Timmy? Ouais, je l'ai rencontré tout à l'heure, c'est lui qui me l'a donné. Est-ce que tu es sûre de ne pas avoir perdu les pédales? Timmy n'est pas un magique, s'il est rentré chez lui pour voir sa mère et lui souhaiter sa fête. Mais voyons, c'est impossible. Si ce n'est pas lui, je me demande avec qui j'ai bien pu parler alors. Oh, non! Messieurs, tenez-vous prêts! Excusez-moi. Bloom! Attends-moi, Bloom, où vas-tu? Enfin, dis-moi ce qui se passe. Elles m'ont eu, Stella. Regarde les sorcières là-haut. Le départ. Attention! Ça y est! Ouais! Bloom, c'est un piège! Quelqu'un a pris la place de Timmy! Mais qui? Où ça? Je ne sais pas ce qu'elle mijote, mais je vais le savoir. Il faut que j'arrête Riven. Et je ne connais qu'un seul moyen pour ça. Les pouvoirs magiques des Wings. Wings, c'est nous, les Wings. La source d'énergie nous donne la magie. Nous le trompons vaincre. Enfin, les Wings. Nous sommes les faits d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, et d'ailleurs, nous avons même un concurrent un peu spécial qui n'était pas du tout prévu au programme. Que
Qu'est-ce qui se passe? Oh, pourquoi tu t'arrêtes? Bloom, qu'est-ce que tu fais ici? Brandon! Je suis en tête. Ce casque est incroyable. Je ne fais qu'un avec la moto. C'est insupportable. Bloom est encore en train de mettre son grain de sel. Elle a tout découvert, mais voilà, c'est un peu trop tard. Darcy, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. Qu'est-ce que tu fabriques, Bloom? Personne ne peut m'arrêter, personne. Rival! C'est le moment. Rival! Rival, arrête-toi! Oh! Qu'est-ce que tu as fait? Je ne l'ai même pas touché, il a perdu le contrôle de sa moto tout seul. Bloom. Réveille-toi, Riven. Oh, tu m'as sauvé. Que m'est-il arrivé? Tu as eu un accident. Oh. Tu peux dire merci à mes pouvoirs de guérisseuse? Je m'appelle Darcy. C'est dégoûtant, Perk! Bah, les pas de sorcière! Si tu te calmais un peu, ma petite, je n'ai fait que l'aider. Je ne sais pas comment elles s'y sont prises, mais ce sont elles qui ont provoqué cet accident. Tu es une menteuse. C'est de ta faute ce qui est arrivé. Je t'ai vu derrière moi. Je ne sais pas comment tu as fait pour désactiver mon casque, mais tu as réussi à faire gagner ton cher Brandon. Bravo! Hey, si j'ai gagné, c'est par abandon. C'est une belle trouvaille. Ton cadeau, tu peux le garder. Ça va me coûter la vie. Croyez-moi, ce sont les tricks. Moi, j'étais sûre que je parlais avec le vrai Timmy, mais elles m'ont envoyé un faux à sa place pour me donner le casque. Ce n'était qu'un horrible piège. Timmy ne revient que ce soir à la Fontaine Rouge. Trouve une histoire plus crédible si tu peux, Bloom. Mais je vous assure, croyez-moi, vous au moins. Je te crois, Bloom. Tu ne ferais jamais une chose pareille. Elle, vous la croyez, et moi, vous ne me croyez pas? C'est comme ça. Alors vous vous rangez de son côté, c'est ça? Riven, ce que nous voulons, c'est essayer de comprendre. J'en ai assez. Avec vous, tout est terminé. Ce soir, je demanderai mon transfert dans une autre escouade de spécialistes. Je ne veux plus vous voir. Attends, Riven. Je viens avec toi. Je vous jure que je n'y suis pour rien. C'est encore un vilain tour de ces sorcières. Nous commençons à le croire aussi. Mais ça ne va pas être facile à prouver. On dirait que cette fois, nous avons perdu, Bloom. Dans le prochain épisode, Bloom fera des rêves étranges et inquiétants. Une image mystérieuse lui apparaîtra. Laquelle? Et quelle en sera la signification? Riven révélera à Musa un lourd secret le concernant. Quant aux Trix, elles tenteront de découvrir la provenance des extraordinaires pouvoirs dont Bloom fera la démonstration au cours d'un combat.